Wayo les amis, wayo et bienvenue dans la matinale. On se fait un petit cabou direct ce matin avec Mario Striker qui est sorti vendredi dernier. J'ai fait quelques coupes, j'ai pas mal joué vendredi et puis après il y a eu d'autres jeux qu'on a fait ensemble. Et du coup bah j'ai pas rejoué. Je règle un petit peu le son du jeu, voilà. J'ai pas rejoué, je vais continuer les coupes histoire de me mettre en jambes et puis après pourquoi pas du online. Oh là 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 là, nous dit Gemo le Mog qui s'entraîne comme un ouf. J'en suis sûr, je suis sûr que tu te prépares pour les championnats. Hop, un petit cabou. Et du coup, bah moi je commence la préparation aujourd'hui. Voilà. Comment ça va, Gumo? Bah écoute, ça va bien. Ah, on peut obtenir des points platine, magnifique. Et je crois qu'en plus cette semaine, c'est du Breath of the Wild, non, dans le online. Bon, on ira voir ça. Coupe, allez. Local, un joueur. Ouais, j'en suis à la coupe Harder. Voilà. Bon, on va reprendre un peu en main. Je pense que je vais me faire avec la taxe. Le temps de me rappeler des boutons. Et puis voilà. Donc ma team, vous allez voir, elle est pas commune. Hop, non, c'est Mario que je veux en capitaine. Voilà, sans équipement. Alors le peu que j'y joue, je roule dessus. Bah oui, tu l'as torché. Tu l'as torché au premier essai, les coupes, quasiment. Mon petit gumo. Qui c'est que je prends? Je prends Toad, après. Et le père Yoshi. Oui, on joue en rouge. Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ouais, c'est pas mal, ça. T'as du club. Ouais, le mon champignon. Allez, hop. Ouais, en normal, après, j'ai pas essayé en difficile. Moi, je suis en normal pour l'instant, tranquillou, pépouze. On fait aussi découvrir le jeu aux viewers. On l'a pas encore joué sur la chaîne. Et puis, voilà. Et puis, c'est le matin, on se réveille surtout. T'es au taf, Gumo? Comment ça se passe? Ou c'est jour de repos? Très rock'n'roll, en tout cas, ce Mario Striker, comme d'hab. Ouais, j'ai reçu ton code, c'est vrai, je suis pas allé voir. Je regarde comment on inclut un club. Par contre, j'ai l'impression qu'on peut faire des matchs qu'à deux humains contre deux humains. Hein. On peut pas faire des équipes de 4. Si c'est ça, c'est abusé quand même. Il faut que je me rappelle des touches. Ah, t'as fait la moitié difficile. Bon, tu dois être un bon... Allez, le chat qui vient me péter les burnes, ça commence. Ah oui, ça c'était le tir, ok. Ah, pour changer de perso, et le tac c'est Y, ok. Et on se prend déjà un but. Bon. Et Augustin, le Kabuki Show, je me fais briser en coupe difficile. Eh ben écoute, moi j'ai joué, je suis en coupe normale. J'ai joué vendredi, j'ai fait la moitié des coupes et puis j'ai pas rejoué. Donc là, je me rappelle des boutons. Et puis on va voir. Mais je pense que je devrais terminer quand même les coupes en normal. Attention, et voilà, facile. Tonton Karaté crée un club. Ah, cool. J'attendais ça. Parce que j'ai créé un club aussi, Guac Kabuki. Mais j'attendais le... Armo est pété, le tir est craqué. Ah ouais, Armo, j'adore. J'avoue. En plus, quand tu joues online, tu vois que tout le monde a Armo en capitaine. Moi je joue encore en casual.
Ah, t'as Waluigi en capitaine, et j'avoue qu'il est stylé, Waluigi. Au niveau du skill, je parle pas in-game, mais je parle même vraiment au niveau des animations et tout. Pourtant, je suis pas fan de Waluigi. Mais là, je trouve qu'ils l'ont bien travaillé quand même. Bah du coup, pour avoir fait des matchs online, un petit peu pour voir, c'est vrai que les coupes ont l'air quand même vraiment, vraiment faciles, en normal. Là, j'ai carrément moins la pression que la dernière fois que j'ai joué, où j'ai fait un petit peu d'online. Et comment ça va, Augustin? Non, j'ai pas regardé encore au niveau des stats et tout ça. J'ai même pas équipé mes persos vraiment. Et coucou Sonia, comment ça va? Bienvenue sur la matinale. Ça, tu le fais pas online. Je vais aller chercher mon petit cadeau, je suis revenu tranquille. Bah écoute, ça va bien Sonia et puis Augustin aussi, ça va bien. Journée télétravail, donc journée stream matin et midi. Ça fait du bien de se retrouver. On s'est bien éclaté ce week-end pour ceux qui n'étaient pas là. On s'est fait 3h30 de live sur Demon Slayer. Et franchement, ça a été une bonne surprise pour moi. Sur Nintendo Switch, bien foutu. Faut que j'apprenne à charger mes tacles. Ah, je me suis fait balader. Après les équipements, c'est bien foutu parce que tu prends des stats d'un côté mais t'en perds de l'autre. Donc ça va, ça reste équilibré, je trouve. Ah, et puis c'est vrai qu'il y a les passes pro là avec le bouton L. Ils peuvent être pas mal à utiliser. Je sais même pas pourquoi je l'ai tenté celle-là. J'ai même pas utilisé mes objets. Hop, allez, c'est bon. Oh, il insiste. Et c'est à force de faire des super passes qu'il y a des items qui pop, c'est ça? Je me suis posé la question quand j'ai joué. Oh non! Alors on va jouer la montre. Les items pop si tu tacles un perso qui a la balle. Ok, merci Gumo. Bon Sonia, pas trop dur ce matin? Bientôt les vacances. Ah, il reste quoi, 3 semaines là? Ah, c'est pour l'équipe qui s'est fait tacler. Il me semblait que quand je faisais pas mal de passes, ça faisait popper des trucs. Alors la team d'Augustin, c'est Waluigi, Armo, Toad, Bowser. Ah, c'est vrai je devrais peut-être avoir un gros bourrin dans mon équipe. Non, en fait, vous allez trouver ça drôle, mais j'aime pas jouer les méchants dans les jeux Nintendo. Je
fais des équipes de gentils. Et tant pis si ça vous fait marrer. Il me reste beaucoup pour les vacances. Plus beaucoup, ouais. Ouais, ouais. En plus, c'est des longues vacances, Sonia. C'est cool, ça. J'adore les méchants. Moi, j'ai combattu les méchants Nintendo toute ma vie, donc... Donc je peux pas les jouer. Quand j'ai toute ma vie, on parle de facile 35 ans de game. Hein. 35 ans de gaming. Hein. En parlant du Joker, j'aime beaucoup le dernier film qui avait été fait, si on parle de DC. Hein. Et là, j'ai vu qu'il y avait une suite, c'est trop cool. J'adore vraiment le côté torturé du Joker, son histoire, tout ça. Oh. Le dribble, c'est quelle touche déjà le dribble? C'est R, je crois. Hop là. Ouais, je l'ai tenté, mais c'était pourri. Et salut Nico, ça fait un bail, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Alors j'ai un cadeau, hop, une petite peau de banane. Je crois que je me la supprime, peau de banane. Allez, un petit but, des écumeurs. Premier but du match. Voilà, t'as vu comme... En fait, je m'en rends compte parce que j'ai fait du online entre temps. En fait, t'as vu comme je peux me balader tranquille et tout, faire des dribbles. Et coucou Kimi, en direct du train. Oh là 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 là. Donc, il y a le wifi dans le train? Non, c'est la 4G. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait le... Hop, allez, on va chercher... Oh, il les abuse là. Oh non. J'ai raté ma chance. Laissez-moi jouer. Voilà. Je viens vers chez toi, Kabou. Oh, t'aurais dû me prévenir. On serait allé faire un petit resto, un truc comme ça. Un petit grec, un japonais. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait plaisir de vous trouver ce matin. Des fois, je vois même plus où est le ballon tellement c'est le matin, quoi. Et oui, Yoshi qui part tout seul. Il a tenté. Et Armo qui en met une à Mario, on sait pas pourquoi. Allez Yoshi, oh.
On est à combien? Un partout là? Va falloir se réveiller. Ah, je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur A. T'en penses quoi du jeu actuellement? Bah écoute, moi je trouve qu'il est vraiment bien parce que quand je m'y suis mis vendredi, ouais, j'ai joué 2-3 heures d'affilée. J'ai pas lâché la manette, ça faisait longtemps que je m'étais pas éclaté comme ça d'entrée de jeu. Je trouve que les jeux de sport de Nintendo sont difficiles en général. Si on prend Mario Tennis Ace par exemple, et celui-là je le trouve un peu moins dur. Je trouve que c'est bien. Alors je vais arrêter son super tir là. Je crois même pas. Par contre, faudrait pas que je m'en prenne une là. On va aller en mort subite. Hein. Donc ouais, je trouve que c'est un bon jeu. Après, comme je disais... Ah non, je vais me la prendre là. Allez là! Je vais perdre. Sauf si je l'arrête. Allez, on bourrine le bouton là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, il est très technique, gameplay incroyable, mais je trouve qu'il est moins difficile en mode story. Enfin bon, on va dire que c'est le mode story, la coupe, que j'ai trouvé qu'à un moment donné, Mario Tennis Ace, il était vraiment, vraiment corsé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, hein. Si vous l'avez fait ou pas. Mais même pour les plus jeunes, je trouvais que c'était abusé, quoi. Ça peut dégoûter les plus jeunes. Ouais, c'est ça, mon gardien l'a renvoyé. Ouais, j'ai appuyé sur. Il me semblait que je l'avais remis avec Mario. Ouais, c'est ça. Olivia la douceur. Bienvenue, Olivia. Ouais, ouais, le mode normal, c'est une blague, mais regarde, si tu prends un petit qui veut jouer, voilà, qui aime le foot et tout ça, qui aime le monde de Mario, je trouve que la difficulté va bien pour lui. Il faut toujours se regarder dans le fait que Nintendo fait aussi des jeux un peu pour tout le monde. Ça part de... C'est familial, donc ça va de l'enfant jusqu'à l'adulte. On veut plus de personnages. Oui, plus de personnages. Ouais, ça serait bien. C'est vrai que tu as raison. C'est une réflexion que je me suis faite. Mais ça peut venir, hein. Ça peut venir avec des events et tout ça, comme dans Mario Golf. Bon, Gummo, c'est l'histoire d'une dizaine de jours pour le Ranked. Bon, du coup, j'ai joué un peu trop à Last Gainaway et j'ai perdu un match normal. C'est moche. Mais tout n'est pas fini. Pour la coupe. Ouais, ça va arriver là. C'était quoi, 9 jours à partir de vendredi? Ils auraient pu lancer ça un week-end quand même. Mais une fois que les 9 jours seront passés, Gummo, ça sera oublié, tu verras. Oh, d'entrée de jeu, il met un but. Ouais, 2 par 2, par contre, ça c'est un peu la rage, ouais. Franchement, ils auraient pu faire du 4 contre 4, ça aurait été des vrais teams, quoi. Un petit Discord. Allez, on leur fait la même. Et le 21, ouais, il y a Fall Guys. Alors, je sais pas si vous avez vu Guerilla Collective hier.
C'était un showcase de jeux indé. J'ai noté quelques jeux là qui ont l'air pas mal. Et par contre, comme d'hab, la conf Capcom, j'ai pas attendu minuit pour la regarder, mais j'ai regardé le résumé ce matin. On dirait la même conf que l'année dernière. On dirait qu'ils nous sortent les mêmes jeux. Il y a juste un jeu apparemment où on joue un gars en exosquelette. Mais sinon, c'est du Resident Evil, du Resident Evil. Je l'ai tenté. Mais ouais, par contre, la guérilla collective pour les jeux indés, il y a vraiment des trucs bien chiadés là qui ont été montrés hier soir. Du bon petit jeu indé là, comme on aime. Ça pourra alimenter les kabuki indies comme ça. Faut que je fasse gaffe parce qu'ils ont une tortue. Ah, on reprend le petit ballon. Et voilà, Pépouze avec Yoshi. Et coucou Mirae, petit passage en coup de vent avant d'aller taffer sûrement. Merci, ça fait super plaisir. Bon courage pour le taf. Et puis bon petit déj. Bonne digestion là, à mon avis, à cette heure-ci pour toi. Il y a Overwatch qui passe en gratos aussi, je crois. En free-to-play. J'ai encore jamais mis les mains dessus. Honte à moi. Il y a des jeux comme ça. Warhammer, j'y ai jamais joué. Je suis sûr qu'il y a des jeux comme ça que très 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 connus, très populaires, sur lesquels je n'ai jamais posé les mains. Allez, on tente un petit effet. Hop. On essaie de faire le beau jeu quand même. ...3-2. Du coup, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore craqué pour Mario Striker et qui sont tentés finalement dans le chat? Ou est-ce qu'il n'y a que ceux qui ont le jeu qui parlent? Transversal, et c'est le but. Moi, je pense qu'après cette coupe, j'allais me faire laver en online. Il y aura un petit peu plus de suspense. Ah, il l'a chopé pendant que je chargeais. Pas mal ça. Moi je l'ai un peu raté du coup, ça m'a surpris. Alors je galère quand même à capter le réseau, donc je souhaite un bon live et bonne matinée. Tout le monde, bon courage Kimi, si t'es sur Paname, bon courage avec les transports. Et la chaleur surtout. T'es venu chercher les 30 degrés? Ok, merci Augustin, ouais je le ferai. Pour une fois que je pourrais jouer avec Tonton, on sera pas dans de la baston pure et dure.
J'ai vu un cadeau là. Alors j'ai rêvé. Oh, il s'énerve. Bien. Et du coup, comment ça marche, Augustin? Donc si on est 8 ou 9, chacun peut faire ses petits matchs de son côté et ça compte pour le club? C'est ça, ça totalise pour le club. Je voudrais pas vous faire perdre vos points non plus, hein, parce que je débute. J'ai failli me mettre un but quand même. Je viens régler la paperasse et je rentre ce soir, Kabou. Ça va passer vite. Ok. Bah, des bisous, Kimi. Courage. Et puis... à très vite. Si t'as du réseau à midi et demi, on se teste un petit jeu indé qui s'appelle Lumberjack. C'est l'histoire d'un ours qui veut sauver son petit coin de nature parce qu'il y a des industriels qui viennent tout polluer. Ça a l'air vraiment cool. On va se tester ça à midi dans le Kabukindies. Ouais, j'adore le style Mario Striker, c'est un petit peu rock'n'roll, c'est très rythmé. Et puis la DA elle est mortelle. Là par contre ils se sont déchirés. Et salut Kiniku, comment ça va? Bienvenue sur la matinale. Alors Augustin, je ne saurais pas te dire, en gros, il y a une division, tu peux jouer avec les autres membres de Tonton. Ok. Moi, je ferai ça après le live, j'irai choper son code. Ouais, la musique de Mario Striker, oui, c'est vrai qu'elle était déjà très stylée. Ouais. Non, franchement, c'est propre. On est en 1080, 60 FPS. Pour de la Switch. Bon, après, ils connaissent bien leur bécane hein, depuis le temps. Ah, tu peux choisir le maillot Guakéfer. Cool. Nickel. Bon, ben, on va faire ça. Ah, c'est les méchants. Donkey Kong est un méchant, il faut le savoir. C'est le premier méchant, d'ailleurs. Alors, quand c'est comme ça, là, qu'on n'a pas de super tir et tout, je sais pas trop quoi faire. Je fais des pages, j'essaie de trouver une ouverture, mais bon, en général, je fais un tir et puis... Et puis, ça rentre ou ça rentre pas, quoi. Bon, lui, il me l'a mis. Un méchant repenti. Un méchant jouable, j'ai envie de dire. Mais le tout premier Mario, il faut éviter les tonneaux et puis aller éclater la gueule à Donkey. Hein, en arcade. Oh, ça aurait pu passer là. Ah, j'étais en train de regarder si j'avais un cadeau et l'autre il m'en met une. Non, c'est pour moi le super tir. Ok. Bon, c'est pas grave, on va se rattraper. Et salut Seb Burnett. C'était plus un Donkey longtemps avec Mario à l'époque. Avec Pauline, ouais. Non, Donkey Kong, c'est un méchant, c'est tout. Et ouais, Pauline, qu'on retrouve dans Mario Odyssey d'ailleurs. Allez, je le tente comme ça, Last Gainaway. Ah, dommage. Ah, j'étais sûr que j'allais égaliser, là. Ils me mettent la pression.
j'ai l'impression qu'ils vont pas me laisser tranquille. Ah, j'aurais pu lancer. Ah ouais. C'est pas faux, Augustin. J'aurais dû balancer l'objet. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Parce que j'avais envie. Ah, j'ai rien pipé. Et salut Amaï, lol à toi, comment ça va? Bienvenue sur la matinale. On se fait la coupe là. C'est la quatrième ou cinquième coupe en normal. Et je me fais démonter la tronche. Voilà, c'était un peu easy. Tente de quel tac parfait. Ouais, c'est vrai que je m'habitue un peu plus à faire ça. Allez, c'est cadeau. Ah, je sais pas où il l'a envoyé là. Hop. Non, c'était abusé. Ouh, un 5 quand même. Hein. Ça va être chaud à rattraper ça. Allez, je vous le laisse si vous aimez Waluigi. Comment il va le petit Amaï? Le grand Amaï, le grand Kuro. C'est limite pété de balancer comme ça dans le coin. J'avais deux gars sur ma gueule et le truc il passe tranquille. Faut que j'utilise un peu plus ces objets. Oh, ils le mettent. Abusé. Une 24, on a 3 buts d'écart. Ah merde, j'ai cru qu'on l'avait pris. Ah, c'est nul. Bon bah adios les amis. Il a rien bloqué, bah, c'est vrai, c'est une passoire. Bon bah voilà, on va tâter du A quand même. On est bon. J'appuie sur rien pour pas me remettre le but, voilà, c'est bon. C'est pas possible ça. J'ai pas réussi à le placer. Hein. Eh ben non. Cuisante défaite. Bon, on va se faire du online. Hein.
Il a fait noir et orange, donc aucune, donc les chances sont quasi nulles. J'ai pas compris, Augustin. Du coup, c'est foutu pour la coupe, je crois, là. Non. Retour à la sélection. Enfin, comme ça, on s'est fait une demi-heure de coupe et on va se faire un petit peu de online. Quand t'as un super steer, t'as une jauge noire, orange, bleu. Ouais. Il faut se mettre dans l'orange, là, donc vraiment dans le milieu, quoi. Rejoindre un joueur, rejoindre un joueur, rejoindre un joueur. Match libre. Sans le marché, j'ai cru que tu me faisais une pub pour Intermarché, là, orange et noir, tout ça. Mon petit gomo. Créer un salon. Donc c'est comme ça qu'on fait en online, hein. J'ai pas trouvé mieux. Hein. On fait match libre. Alors membre du club, hein, sur un, ouais. Ça c'est mon club. Le Guac Kabuki. Alors match rapide, match rapide. Ah d'accord. C'est vrai. Eh bah oui, c'est en ligne. Je l'ai pas fait encore comme ça. Top avec des amis, contre des amis, ok, tout joueur. Bon bah moi je le faisais en club et j'attendais qu'il y ait quelqu'un qui match contre moi. Du coup on va le tester comme ça. Et donc en club, par contre, je peux juste choisir mon perso, puis après il me donne une sélection au hasard là. J'avais trouvé ça chiant quoi. Là, est-ce qu'on peut vraiment faire sa vraie team à soi ou c'est la même merde? Il y a peut-être pas trop de gens qui jouent en Europe à cette heure-ci, hein, 8h du mat. Ouais, c'est ça. Ah oui, si c'est bleu, ouais, ben c'est au milieu, quoi. On peut doser, si tu veux. Ouais. Comment on va faire, alors? Il n'y a pas de problème, Augustin, tu es le bienvenu. Du coup, si je prends... Ok, un temps d'adversaire. Hop. Donc là, je prends Mario, ok. Donc là, je peux vraiment choisir mon équipe, ça c'est cool. Allez, on va représenter le Guac.
Il insiste. On n'est plus contre l'ordi là. Encore qu'il a pas l'air trop violent lui. Ah, je pensais que je l'aurais taclé. J'ai pas vu s'il a fait un perfect ou pas. Il m'a fait mal. Pour l'instant, on sauve l'honneur, hein, 0-0. Bah alors, j'ai pas taclé. On y croit, oui. Ah non. Le but de petit joueur là. Ah ça va, il m'épargne les animations. Allez, chope-le là. Oh. Et ben voilà, 2-0. Oh non! Mamma mia! J'aurais pu le battre parce qu'il n'était pas vraiment au taquet, mais bon, je me prends quand même un 2-0. Il va falloir s'entraîner. Ah, il reste une minute, ça va. Ah, quand même, c'est bon, on a sauvé l'honneur. Petite lucarne. Et on peut le choper là, voilà. Oh non, l'enfoiré. J'y ai cru pourtant. J'ai raté deux tacles. Dommage, dommage. Allez, on y croit. Ah non, ça aurait été trop beau.
lui mettre un petit 3-2 là. Oh ça va, j'ai sauvé l'honneur. Youhou, on s'est fait 5 de thunes. Rejouer, ok. Alors je sais pas si on rejoue contre le même. Non. Il a pas aimé. Ouais, donc en attendant, hier, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Elsie qui avait l'air pas mal dans le guérilla. Le guérilla d'hier, il y avait Lost in Play, il y a Kung Fury Street Rage avec David Hasselhoff sur Nintendo Switch. Ça va être la pépite indé, je vous le dis. Ça va être goldé à mort. Endling, le jeu du renard, qui avait l'air pas mal. Un jeu complètement barré qui s'appelle Please Touch the Artwork. Et Vavarion. Ouais, Vavarion, mais je crois qu'il sort pas sur Switch. Voilà, ouais, et puis il y avait quoi aussi? Il y avait un jeu qui ressemblait à Spelunker. Il avait l'air pas mal, mais un petit peu... Il y avait un petit peu trop de paix dans la bande-annonce, si vous allez voir. Alors, Mario, comme d'hab. On va mettre Yoshi puis Toad pour changer. Ouais, ça s'est joué à que dalle, j'aurais pu lui placer au dernier moment. T'as raison Augusta, mais c'est pas grave. C'est du training pour l'instant. Et puis je pense qu'après les énerver comme Gumo et tout, ils vont arriver avec leur enquête. Là, on peut pas dire que le gars était vraiment énervé. L'esprit coubertin, tout à fait. Oula, j'ai l'impression que là... Ah, par contre, il y a la super musique, là. Ça m'ambiance grave. Ça n'empêche pas de se prendre un but. Allez, l'esprit coubertin, l'esprit platini avant qu'ils sont bourgeoises. À l'époque où il avait encore un maillot qui brillait pas. L'Euro 84 pour ceux qui ont connu. Gires, Tigana, tout ça. Oh, j'avais dribblé là. Bah, l'esprit coubertin avec une carapace rouge. Oh, la bombe qui sert à rien. T'es abusé. Bon, maintenant il va falloir survivre. C'est belle celle-là. Oh non. Il était beau ce but là. Mais c'est pas nous qui l'avons mis. 3-0 déjà. Ça fait mal. Et une petite peau de banane. Encore qui chope le super tir. Ah bah quand même, un petit lob. Aïe 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 aïe.
Et il a rien compris. Hop là. Tiens, dans ta tronche. Ah, j'y ai cru. Ah, cette fois, je l'ai pris. Donnez-moi la balle. Ah, ils veulent pas. Ils veulent pas que je le mette le super tir. Il s'énerve. 4 à 1. 1 4. Désolé hein, pour la qualité du spectacle. Ça va faire mal. Hyper frat parfaite, c'est imparable. Bon voilà, bah c'est cuisante défaite. 40 secondes pour mettre 5 buts. Un coup de boule pour prendre le super tir. Ça fait mal. Un 6. Et un petit level up pour Nico. J'espère que ça va toujours, Nico. Il faut que tu t'équipes pour gagner. Merci Sonia. Alors, it's me, Cabo. Récompense de points de chaîne. Hop, je m'éclipse, je m'équipe et je reviens. Mais où est la moustache? Ah, elle est là. Ouais, donc pour ceux qui ne savent pas encore, hein, Sonia a récupéré la récompense de points de chaîne. It's me, Cabo. Je vais donc enfiler mon déguisement. 8h20 jusqu'à 25. En espérant que ça nous donne de la force. It's me, Cabo. Et merci Sonia pour tes points de chaîne. Beaucoup mieux. C'est vrai qu'on est dans le thème là. Ça veut dire que je gagne la prochaine. Non, pas quitter le salon. Non. On va attendre que ça matche. Alors on joue contre Bayvik.
Allez, on s'habille en arbitre. Du coup, on joue à... on commence à droite, là, c'est ça. Hein. On est sur la partie droite du terrain, je pense. Les batteurs contre les porte-bonheurs. Je fais ce qu'on m'a fait. Bon, il avait pas l'air très agressif au kick-off là, donc j'ai l'impression. Alors, on va lui épargner les cinématiques. Ouais, j'ai l'impression qu'il est encore plus noob que moi. Mais bon, on verra. Il a quand même mis un but. Et Toad qui passe par là, tranquille. Il me laisse toute l'action, l'enfoiré. Allez, avec le soutien de Sonia, on devrait y arriver. J'ai même pas encore réussi à choper ce super tir. Même beaucoup mieux. C'est ce qu'avait dit Sonia quand j'ai mis la casquette. Merci Sonia. Oh, il est beau celui-là. Mais c'est quoi ces tirs là? Allez, on le prend cette fois. Non, mais... Oh, quand même. Putain, mais c'est le pro du tir. Je lose le gardien, lui. Oh.
un peu trop dans ma partie du terrain. Ouais, c'était trop abusé de le mettre là. Non mais regardez, le gars, il a toutes les techniques pour mettre des directs. Et abusé, abusé. Il avait l'air tout mou comme ça. Ah, je crois qu'il est parti pisser là. Non, il est là. Oh là là. J'ai cru qu'il allait encore me la couler là. Ah quand même. Si j'arrive à la passer. Ouais c'est bon. J'en aurais mis au moins une. Si ça rentre. C'est bon. Bah, 3 secondes de la fin. Et il est 8h30 pile et je dois y aller, nous dit Sonia. Merci Sonia, du coup t'as vu, j'ai gardé la récompense. 10 minutes, rien que pour toi. C'était cadeau, bonus, on a doublé la récompense. Merci à tous d'avoir suivi ce live, je vais regarder s'il y a du monde qui stream dans ma liste. Pour faire un petit raid et puis sinon on va se laisser tranquillou pour aller bosser. Non, je vois personne. On va se laisser tranquillement avec la outro. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live, désolé pour le spectacle, le piètre spectacle sur la deuxième partie du live. Je me suis fait un peu éclataxe online, il faut que je m'entraîne. Mais de toute façon je compte sur Gemo, Tonton et compagnie pour mener la vie dure et m'entraîner sévère. Merci Sonia d'avoir été là, merci Augustin, il y avait Nico, merci Nico, Kimi qui est passé, qui était en train carrément. Voilà, on a eu pas mal de monde, Kiniku aussi. Merci Kiniku d'avoir été là. Amai qui a passé une petite tête. Seb qui est venu nous parler de Donkey Kong. Et puis tous ceux que j'oublie. Des bisous, des checks. Je balance là ou trop. Et puis on se retrouve à 12h30 pour un... Venez, hein, ça va être un bon petit jeu. Indé, Lumberjack. Ça va être plus peace, plus tranquillou, plus proche de la nature. Et puis ça va être du jeu indé à découvrir. Bonne matinée. Et puis je vous laisse avec là ou trop. Bye bye.